Bienvenue, monsieur. Monsieur, par ici. ऐसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। Ritik, tu nous présentes pas? Ah oui, Sonakshi. Voici Mohit, mon ami d'enfance. Salut. Voici sa femme. Ils ont préféré se marier tôt pour fuir le nid familial, pas vrai? Attends-tu un autre invité spécial? Mon rôle est d'accueillir tous nos invités. Non, en fait, c'est que... Bijoy, Bijoy, s'il te plaît, ne te fâche pas, s'il te plaît. Comment ose-t-il venir ici? Bijoy, je t'en prie, écoute-moi. C'est Sona qui l'a invité. Sona l'a invité? Oui. Bijoy, c'était le premier amour de Sona. Et elle souhaite que Dev la voit en train de se fiancer. C'est peut-être la seule solution pour elle d'en finir définitivement. S'il te plaît, Bijoy, ne te fâche pas. D'accord. Je ne ferai rien du tout. Où vas-tu? Tu as troublé la vie personnelle de ma fille. Tu n'as pas su l'apprécier. Maintenant, tu veux ruiner sa réputation en public? Puisque tu n'as pas pu briser sa relation, tu es venu le faire ici? Que vas-tu trouver comme nouveau motif pour continuer à l'humilier davantage? Ce soir, je suis venu la voir pour... pour lui adresser mes félicitations. Vraiment? Vous comprenez déjà que ma fille est passée à autre chose dans la vie. Tu vois ce garçon?
Eh bien, il est loyal dans tout ce qu'il fait. Tu veux savoir pourquoi ma fille l'aime ? Parce que c'est un homme de parole. Tu ne méritais pas d'être avec ma fille. Et tu n'as plus le droit de t'en approcher. Oui, vous avez raison. Aujourd'hui, j'ai conscience de ce que j'ai perdu. En ce moment, je suis bien disposé à comprendre que je l'ai perdu. Et que Ritik a tout gagné. J'ai du temps et toute la vie pour réaliser toutes mes erreurs. Aujourd'hui est un jour spécial pour Sonakshi. Je ne veux pas dormir. C'est bien pour cela que je ne t'ai pas viré d'ici. Puisque c'est Sona qui t'a invité, sois le bienvenu. Bijoy, allons-y, Nubinda te cherche. Très bien, puisque tu es ici, reste et observe comme c'est facile pour ma fille d'oublier une personne comme toi. Bijoy, allons-y. Allons-y. Sonakshi, as-tu déjà vu tes yeux ? Ils transpercent la personne qui les regarde. Aujourd'hui, c'est le jour de l'officialisation de notre couple. Et désormais, tu seras mienne. Et moi, je serai tien. Encore autre chose. Aujourd'hui, tu es la plus jolie femme de toute cette planète. Même mamie n'est pas aussi belle. Monsieur, voulez-vous un verre ? Jus de fruits, boisson gazeuse ? Autre chose ? Donnez-moi un scotch. Désolé monsieur, c'est une réception bengali. Il n'y a pas de boisson forte ici, mais par contre, vous pouvez vous rapprocher du bar. C'est de l'autre côté. Allons-y, tout le monde nous attend. D'accord. Où est Dev ? Un scotch, s'il vous plaît. Un autre. Pourquoi vouloir absolument parler à Dev Dixit ? Dans quelques minutes, la situation va changer. Et Sona va entamer un nouveau chapitre dans sa vie, Bijoy. Et je ne veux surtout pas qu'il y ait un incident qui gâche tout. Je voulais donner de bonnes leçons à Dev Dixit. Je suis allé lui dire qu'il n'est même plus un obstacle pour notre Sona. Bijoy, je te le redis encore, tu n'avais pas besoin de lui parler de ça. Et d'ailleurs, pourquoi elle est venue finalement ? Ça doit être très difficile pour Sona de le voir ici. Cela n'affectera pas notre Sona, que Dev soit là ou pas. Regarde. Regarde comme elle est heureuse avec Ritik. Un autre. Hey. Que fais-tu là dans le noir ? Hein ? Ishwari, si jamais les vieux os se brisent, il sera difficile de les recoller. Arrête de te morfondre, toute seule, dans l'obscurité. En voulant te déplacer, tu pourrais te heurter à un mur. Baldev, jusqu'à aujourd'hui, Dev ne m'avait jamais autant méprisé. Ishwari, pour qu'il ferme ce chapitre, il fallait qu'il y assiste.
Enfin bref, peu importe. Le fait est que je n'étais pas d'accord. Comment a-t-il pu y aller alors que je le lui ai interdit, et sans même m'en parler ? Vraiment ? C'est parce qu'il te connaît très bien et qu'il sait ce que tu attends de lui. Tu le sais bien, n'est-ce pas ? Allez, dès aujourd'hui, tu dois prendre en compte ses sentiments. Tu sais, Ishwari, ton fils se bat contre lui-même. Crois-moi, il rentrera vainqueur de là. Tu auras la preuve qu'il t'aime et te vénère bien plus qu'avant. C'est juste pour quelques heures. Ishwari, donne-lui un peu de temps. Donne de l'espace à Dev. Moi-même, je suis en train de me convaincre que tout se passera bien. Tout ira bien. Qu'y a-t-il ? Est-ce que mes amis t'ennuient ? Non, pas du tout. Tant mieux alors. Allons-y. D'accord. Est-ce que ça va ? Oui, merci. Il n'y a rien à dire. Maman n'aurait jamais envoyé Dev là-bas. Pourquoi Dev y est allé ? Pour Dev, aller là-bas doit être si difficile. Voir quelqu'un t'enlever, ton premier amour, est très difficile à vivre pour Dev. Néa, c'est pour ça que je t'ai appelée. Parce que je ne peux pas discuter de ces choses avec Nikki. Notre frère n'a pas l'air heureux ces jours-ci. Il semble qu'il essaie de s'occuper pour oublier ses problèmes. Il ne parle à personne et ne sourit pas non plus. Dev n'arrive pas à oublier Sonakshi. Je ne pense pas qu'il pourra l'oublier un jour. Elle est son premier amour et le sera toujours. Néa, qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider ? Cette situation me dépasse. Sonakshi, lui, c'est Bakul. Salut. C'était mon rival d'enfance. Oui, il a mis fin à ma carrière de bowling avant même qu'elle ne commence. Je veux dire, il a marqué 34 points en un match. Ouais, mais c'était avant le T20. Allons le retrouver. Allez, après toi. Je ne sais pas de quoi j'ai l'air en ce moment. Les gens sont effrayés quand ils me voient. Je ne le suis pas. Mais j'ai peur pour toi. Qu'est-ce qui te fait peur, Sona ? Je suis ici pour te féliciter. Maintenant, s'il te plaît, sois heureuse. Je te souhaite d'être heureuse. Toujours. Félicitations. D'accord, mademoiselle Bosé. Docteur Bosé. Dev, mais pourquoi est-ce que tu as bu autant ? Ne dis plus ça ou je vais encore mal le prendre. Tu tiens toujours à moi. Je plaisantais.
Je ne suis pas très douée pour faire des blagues. Tu dois arrêter de boire, Dev. Mademoiselle Bosé, tu es courageuse. Pas moi. J'ai trouvé le courage grâce à ce verre parce que je suis un lâche. Mais ne t'inquiète pas. Je saurai très bien me débrouiller. Je vais me débrouiller. Comme un grand. Ah, comme un grand. Sonakshi, mon... Félicitations. Monsieur Dixit. J'espère que vous êtes à votre aise. Je peux vous aider? Vous seul pouvez... me rendre ce qui était à moi. Pardon. Je veux dire que je suis vraiment désolé. Je l'ai beaucoup embêté. Je lui ai fait du mal. Et vous l'avez beaucoup soutenu. Je reconnais mes erreurs et j'en suis navré. Vous avez su prendre soin d'elle, alors... merci. Il y a deux types de personnes dans la vie, Monsieur Dixit. Les premières, celles qui regrettent amèrement leur passé. Les secondes, celles qui sont heureuses lorsqu'elles se rappellent du passé. Je n'appartiens à aucune de ces catégories. Moi, je vis dans le présent. Laissons le passé derrière nous. Ce n'est pas grave. J'espère que vous serez toujours ensemble. Longue vie. Vous avez de la chance. Toutes mes félicitations, une fois de plus. Venez, quelqu'un vous réclame. Qui ? Une autre chanson. Rendez-moi un service. Dev a beaucoup trop bu. Prenez soin de lui. Ishwari ? Toi non plus ? Tu n'arrives pas à dormir ? Moi non plus, je ne trouve pas le sommeil. En fait, tu n'aurais pas dû le laisser y aller. Et tous ces Bengalis, là, sont des effrontés, hein? Ils ont envoyé une invitation ici. Tu vois, on n'arrive même plus à dormir. Radharani, je peux te raconter une histoire si tu veux, d'accord? C'est l'histoire d'une époque où il y avait un chat noir. Assez, tais-toi! Cela ne m'intéresse pas. Je n'arrive pas à comprendre quel type de charme cette femme végétarienne a jeté sur notre Dev pour le rendre fou. Silence, femme sans vergogne. Dev y est allé de son propre gré. C'est pour féliciter Sonakshi et sa famille, rien de grave. Oui, Radha, il a raison. Il rentrera bientôt. Ce n'est rien de grave. Je vais rester ici pour l'attendre. Allez donc vous coucher. Ishwari, toi aussi va dormir. Vivement que cette affaire se termine pour toujours. Votre attention, votre attention, votre attention. Vous pourrez manger et papoter entre amis plus tard, parce que voici le moment que nous attendons tous avec grande impatience. Le moment pour lequel nous sommes tous réunis ici ce soir. Ce moment où je pourrai désormais appeler Ritik mon beau-frère. Allez, beau-frère. Prends ma magnifique sœur Sona à tes côtés pour le reste de ta vie, pour qu'elle ne puisse plus jamais te quitter. Un tonnerre d'applaudissements pour Sonakshi Bosé et Ritik Sen. C'est le moment. Tu veux juste la regarder ou lui mettre sa bague? Allez, mets-lui sa bague. Ma fille, c'est le moment, on s'impatiente. Thank you.
Debout, Dev. Dev, Sohrab. Sohrab, viens vite. Sohrab, va vite chercher la voiture. Sonakshi, mais... Sohrab, je suis sérieuse. C'est impossible. Sonakshi ne peut pas abandonner ses fiançailles. Vous ne faites rien pour l'arrêter? Qu'est-ce que tout cela signifie? Mais enfin, que se passe-t-il? Tu es inquiète pour Dev, n'est-ce pas? Oh, non, mon frère. Je me demandais l'heure à laquelle il sera de retour. Ishwari, va te reposer. Dev ne va pas tarder. Non, je préfère attendre qu'il soit rentré avant de dormir. Oh, absolument rien ne peut détourner les inquiétudes et l'obstination d'une mère pour son fils. Ok, reste ici. J'irai le chercher moi-même. Non, mon frère, n'y va pas. Je ne peux pas dormir tant que Dev n'est pas rentré. Mais mon fils n'est plus un enfant et je ne dois pas m'inquiéter pour lui. Mon frère, je lui fais absolument confiance. Ok. J'y vais. Je dois avouer que j'ai vraiment d'énormes doutes. J'ai un très mauvais pressentiment. Je sens que quelque chose va mal tourner ou qu'un drame se prépare. Dev, reviens vite à la maison. Maman est là, en train de t'attendre. Hrithik, je n'avais encore jamais vu quelqu'un se faire insulter de cette façon. C'est incroyable. Je vous avais pourtant prévenu. Une fille qui apparaît en première page des journaux ne pourra jamais être une bonne épouse. Et que m'avez-vous répondu? Qu'il n'y a aucun problème. Que Sonakshi est l'ex-petite amie de cet homme. Donc tu penses toujours que cet homme est seulement son ex? Réponds, Hrithik. Tu crois vraiment à toute cette histoire? Nadou, du calme, je t'en prie. Je te demande pardon au nom de Sona. En fait, nous n'en savions rien. Nous sommes tout autant choqués que vous. Et alors? C'est tout à fait normal. Parce que vous êtes habitués à ce genre de déception, pas vrai? Contrairement à vous, nous sommes une famille décente et Sonakshi ne mérite pas mon frère. Tu n'as pas le droit, Madou. Tout cela est vraiment incroyable. Toute cette cérémonie n'était qu'une mascarade. Heureusement que la vérité a été révélée avant les fiançailles. Ma tante, vous n'avez pas à être si triste. Ce n'est pas de votre faute. En fait, ce n'est de la faute de personne. Ni celle de Sonakshi. Hrithik! Si, papa. Ce n'est de la faute de personne. La plupart des gens agissent par amour. Mon oncle, ma tante, Sonakshi et moi ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Ces fiançailles s'arrêtent ici. Sonakshi ne sera jamais capable d'oublier Dev. Non, ne dis pas une chose pareille. Mon fils Sona a juste commis une erreur. Il n'y a absolument rien entre eux. Sohrab la ramène et elle s'excusera auprès de toi. Je veux dire, auprès de toute ta famille. En effet, Dev est tombée et c'est par instinct d'humanité qu'elle l'a secouru. Rien de plus, mon fils. Sona n'est pas amoureuse de Dev. Vous êtes faits l'un pour l'autre, mon fils. Tu ne peux pas annuler vos fiançailles, je t'en prie. Que puis-je bien vous dire?
J'ai souhaité que Sonakshi et moi ayons une vie heureuse. Mais les humains commettent parfois des erreurs. Vous aviez tort. Et moi aussi. Mon oncle, c'est une bonne chose parce que... si seulement l'un d'entre nous avait tort... alors l'un se moquerait de l'autre, vous comprenez ? Mais ensemble, nous pouvons le supporter. C'est tellement évident que Sonakshi n'ait pas emmené Dev uniquement par instinct envers un être humain. Mon oncle, je vous demanderai qu'une seule chose. Ne mettez plus Sonakshi sous pression. Si elle m'avait choisi, alors... alors j'aurais vraiment eu beaucoup de chance. Mais son cœur appartient à quelqu'un d'autre. Il appartient à Dev. Sonakshi n'a Dieu que pour lui. Elle n'aurait jamais été heureuse avec moi. Mon oncle, je vous le demande. Je vous en prie. Arrêtons-nous là, s'il vous plaît. Ok, la fête est terminée. Sora, tu restes ici, je vais l'emmener. Sonakshi... Attention. Je suis désolé. Fais attention. Je suis désolé, je... Dev... Je t'en prie, Sonakshi... Viens, ne pars assieds-toi. Pas, s'il te plaît. Je t'en prie. Ne me laisse pas tomber. Ne m'abandonne pas. Attention. Sonakshi, t'en vas pas. Je t'ai pourtant dit... de ne pas boire. Mais tu l'as fait, n'est-ce pas? Oui. Dans quel état tu es? Regarde! Sonakshi... Sona... Dev, attends. Tiens, bois un peu d'eau. Sona... Chut, il faut que tu boives un peu d'eau. Ne t'en vas pas. Dev. Sona, je t'en prie, ne m'abandonne pas. Chut, assieds-toi. Non, non, écoute-moi. Je venais juste pour te féliciter, mais j'ai fini par tout gâcher. Je t'ai fait beaucoup de mal, Sona. Pardonne-moi. Je suis désolé. Dev, assieds-toi. Écoute-moi. Je suis venu à tes fiançailles pour te voir au moins une dernière fois. Tu ne me verras plus jamais. Allez, attention, assieds-toi.
quand je l'ai vu te mettre cette bague. Je l'ai vu te passer cette bague au doigt, j'ai eu le cœur en morceaux. Je crois que j'aurais préféré mourir plutôt que de voir ça. Tu as toujours eu raison. Tu peux me dire pourquoi j'ai eu si mal? Je t'en prie, Dave, s'il te plaît. Je ne veux pas te voir. Je ne veux pas te voir dans cet état, s'il te plaît. Je fais semblant d'être forte, mais je ne supporte pas te voir dans cet état. Dave, essaie de te calmer. Je t'en prie, Dave, s'il te plaît. Dave! Qu'est-ce que tu fais? Je ne suis qu'un idiot. Un pauvre imbécile. Je t'ai fait tellement de mal. Mais ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Je t'aime, Sonakshi. Si tu m'abandonnes, je te jure que j'en mourrai. Mais je n'ai pas le droit de mourir. Que ferais-je de mes responsabilités, de toute ma famille et mes devoirs? Dis-moi, Sonakshi, dis-moi, que dois-je faire? Dis-moi ce que je dois faire. Oh mon Dieu. Mais que fais-tu ici? Dave, je dois y aller. Je t'en prie, ne me quitte pas, s'il te plaît. Je dois y aller. Sona. Dave! Dave, il faut que je m'en aille. Pitié. Maman, papa, je les ai tous abandonnés en venant ici. Tout est terminé. Tout est terminé par ta faute. Je t'en supplie, ne pars pas. Laisse-moi partir. Dave. Laisse-moi Dave. Partir. Laisse-moi. Vas-y, ma fille. Vas-y, je le tiens. Allez, Dave. Non. Allez, lâche sa main. Vas-y, vas-y ma fille. Allez. Dave, que t'arrive-t-il? Non. Sonakshi, t'en vas pas. Dave, calme-toi. Je t'en prie, mon fils. Dave. Nous n'avons plus rien à faire ici. Rentrons à la maison. J'aimerais revoir Sona une dernière fois. Ça ne sert à rien, Ritik. C'est inutile. Partons d'ici. Tu viens de tout perdre, Sona. Est-ce que tu t'en rends compte, au moins? Tu as abandonné tes fiançailles. Devant tout le monde. Juste pour cet homme. Bijoy. Tout cela est inutile maintenant. Tu aurais dû contrôler ta fille bien avant. Papa. Je voudrais parler avec Sonakshi en privé. C'est tout ce que je te demande, s'il te plaît. Ritik, jeune papa.
Ritik, tu es libre de me cracher tout ce que tu ressens. Je suis prête à tout entendre. Je mérite tout ce qu'il y a de pire. Je ne dirai rien. Parce que c'est à ton tour de parler. J'ai le cœur fragile. Je ne supporterai pas de crise cardiaque. Ritik, je suis vraiment désolée. J'ai causé du tort à tout le monde. Je n'aurais pas dû partir avec Dev. J'ignore totalement ce qui m'est arrivé. Tu ne saisis toujours pas, Sonakshi ? Assez. Ce n'est pas vrai. Que veux-tu insinuer ? Quand est-ce que... tu cesseras de te mentir à toi-même, Sonakshi ? Ça suffit, tu sais très bien ce qui s'est passé là-bas. Alors, dis-moi, pourquoi ? Mon chéri, tout va bien maintenant, ne t'inquiète pas. Tout va bien, mon fils. Hein ? Ne t'en fais pas, mon chéri. Maman est avec toi, je suis là. Qu'es-tu en train de faire ? Tout cela est complètement inutile. Ishwari, ouvre un peu les yeux et rends-toi compte un moment. Tu es devenu si égoïste que tu ne te rends même pas compte de ce que tu as fait à ton fils. Baldev. Ishwari, c'est la vérité, mais tu refuses obstinément de l'accepter. Regarde ton fils. Il n'est plus du tout le même. Tu l'as détruit. Mon frère, ne dis pas de bêtises. Ce n'est pas vrai, non. Ishwari, ça suffit. Tu ne fais que te mentir à toi-même. Il sait très bien que tu es la seule à ne pas vouloir affronter la vérité. Non. Ishwari, c'est ton fils ? Celui dont tu es si fier ? Est-ce vraiment celui dont tu remercies Dieu tous les jours ? Ne serait-ce que pour son sourire, Ishwari ? Tu rends grâce au ciel ? Eh bien, je ne pense pas que ce soit lui. En fait, c'est un étranger qui souffre. Énormément. Non. Non. Sonakshi, je ne te lâcherai pas. Jamais. Non, non. Regarde. Regarde. Regarde un peu ton fils. Il est dépourvu de son âme. Il est incapable de réfléchir. Par lui-même. Il ne fait qu'exécuter les ordres que toi, tu lui donnes. Tes mots, tes goûts et tes désirs, tes responsabilités, tu l'as tellement mis sous pression qu'il ne reste plus rien de lui. Parce que je l'aime. Je l'aime, Ritik. Je ne peux pas l'oublier. Mon amour pour lui est plus fort que tout. Je ne peux pas l'oublier. Exactement. Tu ne pouvais pas oublier Dev. Mais tu as fait semblant de le faire. Eh bien, tu vois maintenant, il est trop tard pour s'excuser. Je sais, Ritik. J'ai été injuste envers toi. Je t'ai fait beaucoup de mal. Pardonne-moi. J'ai beau essayer de le faire sortir de mon esprit. J'ai voulu passer à autre chose. Mais c'est impossible. J'ai blâmé Dev pour qu'il s'éloigne de moi. Et pourtant, je le désirais toujours. J'ai continué de me mentir tout ce temps. Je ne voulais pas l'accepter. Je ne suis qu'une idiote. Je sais que ce que j'ai fait est sans aucun doute impardonnable. Je mérite tout ce qu'il y a de pire. Mais je t'en supplie, pardonne-moi.